Pépito. Faut vraiment qu'on fasse l'interview. Hein. T'es sûr maintenant là? Bon, bah, on va faire maintenant. Bon, bah, salut tout le monde. Hein. Première course du FSBK au Mans. Donc, temps un peu mitigé sur tout le week-end. FP1, FP2, de la pluie. Bien bossé sur les motos, sur le boîtier. Les qualifs, on était un peu parti à l'envers sur les réglages sur le nouveau boîtier, parce que je vais préciser quand même qu'on a un nouveau boîtier depuis le début du week-end. Et donc 24e à la première qualif, 12e à la deuxième, donc voilà, ça, j'arrive à prendre un petit step sur la deuxième. Et puis les courses, première course ce matin, donc 24e, départ un peu chaud, je pars un peu dans le bac à gravier, un truc un peu olé olé. Et du coup je termine 5e, belle course, premier challenger. Et deuxième course, je partais 12e, mais je fais un départ un peu médiocre. Et donc je me bataille entre la 5e et la 10e place, un groupe. Et donc je finis 8e, pas trop mal. Et je fais quand même la tête en challenger. Donc voilà, l'important c'était le challenger, être en tête du challenger en partant du Mans et essayer d'avoir ce titre. Donc on reste sur cet objectif et les podiums scratch on verra un peu plus tard. Donc voilà, encore deux jours avec l'équipe au Prément mardi mercredi pour bosser pour les 24 heures du Mans pour être au top. Et voilà, je vous tiendrai au courant, je vous ferai un petit signe. Voilà, ciao ciao.